Nous, les êtres humains, on rêve tous du grand amour. On le poursuit nuit et jour dans tous les recoins de notre vie. Parfois, on le trouve, mais malheureusement, d'autres fois, on le perd. Mais comment savoir si on a trouvé l'âme sœur? Certains la reconnaissent en un clin d'œil. D'autres passent des années avant de comprendre qu'elle avait toujours été là. Mais la plupart ne s'en rendent compte que lorsqu'elle leur a filé entre les doigts. Il ne leur reste alors plus qu'à respirer profondément et attendre. Attendre patiemment qu'elle revienne. Parce que l'amour fonctionne comme un aimant. S'il est véritable, il suffit de lui donner le temps de réunir les deux moitiés. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Alessandro Belli, Alex. Attendre. Attendre son âme sœur. Il y a quelques mois, il pensait qu'il l'avait enfin trouvée. Alex avait rencontré Elena dans une fête, alors qu'ils avaient tous les deux 33 ans. L'amour était apparu immédiatement et très rapidement, ils avaient décidé de vivre ensemble. Ils avaient bâti leur relation sur la tendresse et l'effort. Une relation destinée à durer toute la vie. Surprise. Qu'est-ce que c'est? Matryoshka, ça veut dire mère en russe. C'est le symbole de la famille, très grande et unie. La mère donne le jour à une fille, et la fille donne le jour à une autre fille. Et c'est comme ça que l'on fonde une famille. Ce jour-là, Alex avait eu la sensation qu'il était sur le point d'entamer une nouvelle étape de sa vie. Et il avait raison. En amour, 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2. Et on ne sait jamais ce qui se cache derrière chaque décision. Coucou ma chérie. Elena, tu es là? Quand il l'a demandé en mariage, Elena s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas s'engager. Elle a pris toutes ses affaires et a fermé la porte de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Alex sentait qu'on lui avait volé le cœur, mais il ne pouvait même pas porter plainte. L'une des pires époques de sa vie a alors commencé. 2 mois de souvenirs et de douleurs. 2 mois sans trouver la moindre idée décente pour l'agence de publicité pour laquelle il travaillait. Dans ces moments-là, on n'accepte pas d'avoir été abandonné. On n'est même pas capable de le raconter à ses meilleurs amis, qui plus est s'ils sont tous mariés et heureux. Quand celle qu'on aime s'en va, on essaie de la retenir avec les mains, en souhaitant attraper aussi son cœur. Mais le cœur prend ses jambes à son cou. 1, 2, 3, 4. À 17 ans, les relations suivent un autre rythme. Comme on n'a pas encore succombé aux pressions de la maturité, on prend des risques en amour en se fichant pas mal de ce qui pourrait arriver. Ce ne sont pas ces 4 filles très spéciales qui diront le contraire, les déferlantes. Voilà le nom qu'elles ont pris quand elles sont devenues copines. Salut les déferlantes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, génial, merci. C'est cette casse-pied. Elle veut qu'on lui raconte encore la première fois qu'on a fait l'amour. Encore une fois? C'était une balade. Bon, allez, je commence. Ma première fois, c'était il y a 3 ans. Ah oui, on sait. Dans une décapotable rouge avec des sièges en cuir. J'étais complètement morte. T'aurais pas plutôt préféré un bon lit entouré de fleurs? Dans une chambre avec des bougies? Si, bien sûr que si, style veillée funèbre. Ben non, Diana. Ouais. C'est que du sexe. On s'en fout de l'endroit, c'est la manière. À toi. Moi? Ma première baisse était beaucoup plus classique. Ouais, bon, on le sait déjà, mais raconte-nous. Roré avait réservé une chambre géniale dans un hôtel de Cadaqués. Putain, on était vachement nerveux. Mais il a été tellement super. Ah ouais, ben regarde, il se pointe. Il m'a apporté le petit-déj au lit le lendemain. Ah ouais, c'est pas son genre. Comment ça va? Je me barre. Tu te barres déjà, mais tu viens d'arriver. Ouais, mais c'est nul, cette ambiance. Tu m'envoies un message quand t'arrives chez toi? Oui. Mais tu me l'envoies, hein? Mais oui, je te l'envoie.
À plus. Fais gaffe, ok? Oh, Erika, il est vraiment gonflant. On dirait que vous formez un vieux couple. Et toi, Diana? C'était comment? S'il te plaît, raconte-nous. On a envie que tu racontes la grande histoire. Le miracle. L'assomption de la Vierge. Hey, sois pas vache. Super fandard. Fais pas attention. Toi, tu vas pas y couper. Ma première fois, c'était avec Satur chez lui. Bon, à quoi ça sert? Vu comme ça, c'est terminé. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'amour. C'est... ouais, un homme, un vrai. Oui, un homme, un vrai. Oh, oui, un homme, un vrai. Qu'est-ce que vous êtes? Quand on approche de la quarantaine, on a peur de l'amour. On se persuade qu'on ne peut plus ressentir la passion avec la même intensité. De cette manière, les coups ne font pas aussi mal. Alex, bloque-moi un peu. Mon gars, réveille-toi. Ces deux-là, c'est pas de la tarte. Allez. Comment tu gères, hein? Quoi donc? Comment ça, quoi? Avec Elena? Elle est allée à Madrid passer quelques jours avec ses parents. On ne voit presque plus. Et on est inquiet pour toi. Ben ouais, c'est que j'ai beaucoup de travail. Ouais. Enfin, Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Felipe! Quoi? Allez, chérie, demain, on doit se lever tôt. Mais il est vachement tôt. Ouais, je sais, les gars. Mais demain, on doit se lever tôt. J'arrive! Regarde-les. On dirait un couple de vieux. Allez, un deux contre un. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, tu joues ou quoi? Je comprends rien. J'ai appelé Christina trois fois et elle répond pas. Enrique, s'il te plaît, commence pas. Elle a changé de coiffure. Et alors? Et elle n'arrête pas de s'acheter des chaussures neuves. Alex, Alex, elle s'achète des chaussures neuves. Elle est avec un mec, elle sort avec un autre. Si t'es si inquiet que ça, va voir un détective. Un détective? Tu crois? Ouais, ben... Mais non, Enrique, je blague. Je blague, putain. Alex! Oh, où on joue, ou c'est la dernière fois que je réserve la salle. Eh merde, c'est quoi ton problème? À la semaine prochaine. D'accord, salut. Allez, salut, Enrique. Bon Dieu. Qu'est-ce que tu leur as dit sur Elena? Moi? Rien du tout. Un avocat maintient une relation constante avec le mensonge, Alex. D'où tu sors que c'est un mensonge? Je ne me suis pas séparé d'Elena, je te l'ai dit au moins 100 fois. Ouais. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je t'écoute. Ben rien. On a juste décidé de prendre un peu de recul. Ah, Elena, Elena. Arrête de penser à elle. Pourquoi tu viens pas faire la fête? J'ai rendez-vous avec trois mannequins russes super canons. Et Susanna? Susanna? À la maison, avec les gosses? Pourquoi? Sans moi. Demain, j'ai une réunion importante. Ouais. Au fait, tu sais quoi, Alex? J'ai un petit problème. Je sais pas où les emmener. Chez moi, c'est hors de question. Allez, Alex, s'il te plaît, je t'en supplie. Un petit coup et je pense. Oh, ça non. Tu te rendras même pas compte que j'étais là et je nettoierai, ce sera propre, Alex. Je ferai pas de bruit et le lendemain, je te ferai le petit-déj, Alex. S'il te plaît. Je t'ai dit que non. Putain, t'es lourd. C'est rien, il est coincé. Vous savez, les filles, je commence à m'emmerder un peu. Oh, arrête. Est-ce que tu veux qu'on aille? Les filles, je kiffe grave cette chanson. Que igual que mi no fue, yo te espero. Mickey, où tu vas? Maintenant, je fais le DJ au catwalk. Attends-moi et on va faire un tour quand j'aurai fini, d'accord? Écoute, t'as toujours pas pigé? Quoi? Que toi et moi, on n'est plus en couple. Plus du tout. Fini. Caput. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci? Bon, arrête de faire comme si tu m'avais oublié, ça te va pas. Oh, fiche-moi la paix. Bon, ben, tant pis pour toi. Depuis qu'on a cassé, t'es devenue super chiante. Soyez pas trop dur avec lui, c'est qu'il traverse une mauvaise passe. Putain, très mauvaise, ouais. Les filles, moi je rentre chez moi. Mais qu'est-ce que tu vas parler? Si, si, non, vraiment les filles. Tu vas pas écouter les conneries, ouais, de cette enfant. J'ai plus envie de faire du tout. Bon, bah d'accord, on se voit demain. Bon, c'est un signe, moi. Je vais me chercher un homme, un vrai. Les souvenirs du passé font que les oreillers deviennent douloureux et les nuits sont très longues.
Les journées se suivent et se ressemblent, et on voudrait bien recommencer à s'émouvoir, à rire, à courir, à savourer chaque instant de notre temps. Bref, recommencer à se sentir amoureux. Bonjour. Bonjour. Salut, géant. Qu'est-ce qui se passe? Tu déjeunes pas? Oh non, maman. Je suis à la putain de bourre. Ne parle pas comme ça. Et sois prudent en scooter. Mais qu'est-ce que l'amour? Est-ce qu'il existe une règle, une formule, une recette? Est-ce qu'on peut vraiment le trouver en suivant un plan ou un manuel d'instruction? Ou est-ce qu'il n'est que le fruit du hasard? Et alors il ne reste plus qu'à attendre que la personne idéale apparaisse comme par miracle. Léo a programmé une réunion dans 10 minutes. Où est-ce que t'es? Je suis en route. Ça va? Non, mais toi, t'es un imbécile fini ou tu le fais exprès? Non, enlève pas ton casque. Ne l'enlève pas. Tu vois pas que t'aurais pu me tuer? Ou pire encore, que j'aurais pu être paralysée? Écoute, c'est moi qui avais la priorité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au coude. Tu peux le plier? Oui, oui, je peux le plier. D'accord. Putain. Regarde mon aile. Ah, parce qu'en plus... Tu t'inquiètes pour ta voiture? Regarde mon scooter, non mais regarde! On va le relever, attends. Fais attention, s'il te plaît. On dirait mon père. Tu réponds toujours comme ça? Maintenant, on dirait mon grand-père. Ouais, tu réponds toujours comme ça. Tiens. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas conduire, t'as vu mon scooter? Tu dois m'accompagner au bahut. Impossible, je vais arriver en retard à une réunion. Ah ben moi je suis à la putain de bourre alors je gagne. En route. Non vraiment, je suis pressé là. Si tu veux, on appelle un taxi. Un taxi? Non, j'ai une meilleure idée, on appelle la police pour faire le constat. Et oh, oh. Et aussi une ambulance parce que j'ai très mal à l'épaule. À l'épaule. Allez monte, je t'amène. J'adore cette chanson. Putain, t'as une super bagnole, toi. Ton nom? Alessandro Belli. Excuse-moi, tes pieds. Quoi? Tes pieds, sur le tableau de bord. Merci. Nationalité? Italienne. Ben, t'as presque pas d'accent. Je suis arrivé à Barcelone à 15 ans. Ton âge? Il demande ça? 40 ans et... J'ai 37 ans. Comment ça, 40 ans et... Bon, d'accord, te vexe pas. Je t'ai dit d'enlever tes pieds. Oh, mais t'es vraiment chiant. D'accord. Alors dis-moi ce que t'en penses. J'ai mis que t'étais un peu distrait, que t'as pas vu le panneau et que tu m'as percuté à l'avant. Pourquoi t'ajoutes pas que j'avais un pistolet et que j'étais sur le point de te tirer dessus? Et oublie pas que c'est toi qui étais en tort. À moins que... Quoi? Que ça fasse partie d'un plan pour me rencontrer. Ouais, c'est ça. Un super plan. Ben, j'aurais trouvé ça plutôt romantique. C'est là, c'est là. C'est là que se trouve mon lycée. Et toi, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Presque. Tiens, il manque quelques infos en haut. Bon, ben, je te donne ma carte de visite. Pour ta compagnie d'assurance. Alessandro Belli, directeur de création. C'est un poste important? Oui, oui, plus ou moins. Je savais. J'aurais pu te faire cracher un max de fric. Que je suis conne. La vitre? Quoi? Au fait, moi c'est Nikki. Nikki tout court. C'est pas un diminutif de Nico, Nicolasa ou Nicoletta.
C'est Nikki. Nikki tout court. Tu te débarrasseras pas de moi facilement. Salut. Bonjour Olga. Bonjour Alex. Salut Andrés. Ils sont un peu impatients. Qui c'est? Désolé, j'ai eu un problème avec ma voiture. T'en fais pas, je suis de bonne humeur. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bien, merci. On vient de nommer Marcelo meilleur directeur de création au célèbre Lion d'Or. Ah, félicitations. Je suis le nommé le plus jeune de l'histoire. Alex l'a été en son temps. N'est-ce pas, Alex? Bon, allons droit au but. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Tout. Rien du tout? Exact, Alex. Tout. Ou plutôt, tout ce qui nous intéresse. Les parfums, la Luna. Le futur de notre agence. Les Japonais nous offrent un contrat de 2 ans et l'exclusivité de tous les produits la Luna. Je peux? Bien sûr. Essayez-le, sentez-le, vivez avec lui, prenez-y goût. N'ayez aucune pensée en dehors de ce parfum pendant les prochaines semaines. Je veux des idées fraîches, hein? Très jeunes. Je veux... Pardon. Oui? Alors, comme ça, t'es super célèbre. Prix de publicité, reportage dans les magazines. La publicité doit vous arriver droit au cœur. C'est pas mal, Alessandro Belli. C'est pas mal. Pardon, qui êtes-vous? C'est Nikki. Nikki? Quelle Nikki? Comment ça, quelle Nikki? Nikki tout court, celle que t'as failli tuer ce matin? Ah oui, écoute, là, je peux pas. Je te rappelle plus tard. Non, attends. J'ai besoin que tu m'amènes chez le garage. J'ai personne pour m'accompagner. Non, je crois pas que je pourrais. Tu pourras. T'as bousillé mon scooter, tu m'en dois une. Salut, à 1 heure. Désolé. Bon, écoute, Alex. Tu sais qu'à l'agence, on fait quelques réajustements. Et je ne peux maintenir qu'un seul directeur de création. Comment? Celui qui obtiendra la campagne restera. Et l'autre devra s'en aller. Allez, au boulot. À bientôt. Merci, Marcelo. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alex. L'enjeu est vital avec ce client. Et ça fait des mois que tu ne nous apportes aucune idée intéressante. La créativité, ce n'est pas des mathématiques. Je ne te parle pas de créativité. Tu arrives à l'agence, tu t'assois à ton bureau et tu passes ton temps à regarder vers l'infini. J'ai besoin d'un directeur de création, et non pas d'un esprit. Tu te rends compte que toutes les récompenses de l'agence, on les a gagnées ensemble. Mm-hmm. Je suis le meilleur directeur de création avec lequel t'as jamais bossé. Me fais pas chier, Léo. Eh bien, démontre-moi que tu es toujours le même. Prouve-le-moi. Je veux tout savoir. Tout ce qui concerne les campagnes de parfums des 2 dernières années. Et le résumé de tout ce qu'a fait la Luna jusqu'à présent. Vos propositions cet après-midi, s'il vous plaît. D'accord, les enfants? Allez, au boulot. À tout à l'heure. Je me disais qu'on pourrait zapper le voyage de fin d'année et partir toutes les 4 en Interrail, ça vous dit? Moi, je suis d'accord.
D'accord. Mais enfin, les filles, on va quand même pas planifier un voyage avant le bac, non? Erika! Ah, salut. Ben alors? Hein? À quelle heure t'es rentrée chez toi? Bah, rentrée à l'heure où on a terminé. Ouais, ben, tu m'as pas envoyé de message? J'ai oublié. Non, t'as pas oublié, j'étais vachement inquiet, moi. Rentrée, il y a des fois où t'exagères, vraiment. J'exagère pas, t'es important pour moi. Je peux t'aider si tu veux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Une barre de céréales. Finalement, hier, t'es parti tôt? Oui. Merci. De rien. Croy, alors, quoi? Qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Rien du tout. Rien du tout? On a parlé hier soir, un petit moment. Oh, Nikki, t'as entendu ça? Hier soir, ils ont parlé un petit moment. Qu'est-ce que t'es bête. Venez, on y va. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui devait se passer. Salut! On peut y aller vers 8h, plus ou moins. On improvisera. C'est dans cette discothèque avec tous ces gens et les voir danser comme ça. T'es arrivé en retard. Enlève tes pieds. De là aussi. Il est où le garagiste? Quel garagiste? Comment ça, quel garagiste? Ton garagiste. Ah, le garagiste. À la mi-journée, il ferme comme tous les garagistes. Et alors? Bah, tu dois m'inviter à déjeuner. Non, non, impossible. Ne sois pas aussi carré. T'es créatif, non? Tu verras comme un peu d'air frais te fera du bien pour ton inspiration. Et puis, il faut bien que tu manges. Ouais. Regarde, par ici, à gauche. Gare-toi là. Ici? Non, c'est interdit de se garer là. Non, c'est pas interdit. C'est interdit de se garer, je te dis. Je te parie tout ce que tu veux. Bah, tu vois? Interdit de se garer. Mais on en a pour une minute. On prend les pizzas et on revient tout de suite. Il arrivera rien. Avec toi, on sait jamais. Je vais me garer ailleurs. Qui arrive le dernier, pèlera pas. Je vais pas me mettre à courir en plein centre-ville. Oublie ça. C'est quoi le problème? Tu te sens peut-être déjà trop vieux pour ça? Tu l'aimes comment, la pizza? Entre nous deux, tout est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, parfait? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, entre nous deux? Bah, toi et moi, on est tellement différents surtout qu'on court le risque de tomber amoureux. Tu vas droit au but, toi, hein? Ouais. Le monde se charge de nous faire tourner autour du pot. Moi, je fonce tout droit. C'est qui? Ton copain? Ma mère. Tu vas voir. Les trois questions habituelles. À quelle heure tu rentres? Tu es où? Avec qui? Salut maman. À quelle heure tu rentres? Dans pas longtemps. Tu es où? Je suis dans le centre, je fais un tour. Avec qui? Avec Oli. Passe-le un peu. Avec Oli. C'est curieux parce qu'Oli va à l'entraînement aujourd'hui, non? Oui. Non, je voulais dire que j'ai fait un tour avec Oli. Oui. Et maintenant, tu es avec qui? Je suis avec un copain. Ton copain? Mais non maman. Je t'ai déjà dit qu'on n'était plus ensemble. Tu le connais pas. Et tu vas me le présenter quand? J'en sais rien, maman, on verra bien. D'accord. Écoute, Nikki, tu dois étudier pour ton bac. Rentre pas tard. Ok, d'accord. Bisous, ciao. Ça va, ma chérie? Ça va. Je crois que ta fille a un nouveau copain. Et toi, t'as une copine? Je dirais que ça te regarde pas. Mais non,
On a cassé il n'y a pas longtemps. T'es la première personne à qui je le raconte comme ça. Directement. Vous avez cassé quand? Ça fait 2 mois. Bah alors, il est temps que tu t'en remettes, non? D'accord, mais j'ai pas envie de continuer de parler de ça. Ok, alors écoute-moi. Alors, ça a peut-être été une belle histoire, mais si c'est fini, eh ben c'est fini. Accepte-le. C'est le premier pas vers la libération. Oh oh. Quoi? Non! Je suis un imbécile. Un sacré imbécile. Je te l'avais dit. Me regarde pas comme ça. C'est toi l'adulte responsable, non? Fallait pas m'écouter. Ne me le rappelle pas. Ne me le rappelle pas. Et... voilà, voilà, on est arrivé. C'est ici. J'habite ici. Ici? Ouais. Je fais le calcul de ce que tu m'as coûté. Donc il y a le malus de l'assurance, la prune que j'ai prise, la fourrière et l'accident. C'est comme si je t'avais acheté un scooter tout neuf. Ouais. Mais je suis sûre que ça fait un bail que t'as pas vécu une journée aussi intense que celle-ci. Vrai ou pas? Intense, ça tu l'as dit. Ouais. Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Mes parents! Où ça? S'ils te voient, t'auras des problèmes. S'ils te voient dans cette position, ouais, c'est sûr, je vais avoir des problèmes. Bouge pas. Ça va, ils sont partis. C'est bon, c'est bon. Merci de m'avoir ramené. Mais tu dois m'emmener chez le garagiste. Ouais, ça c'est pas encore vu. Bien sûr que si, c'est tout vu. Au revoir. Oui, on s'est parlé hier soir. Oui, et alors là, il va encore inventer une autre excuse pour Elena. Laisse tomber, le pauvre, il va vraiment très mal. Oui, c'est vrai, il va très mal. Hier, après le basket, Pedro a dû rester avec lui toute la nuit tellement il allait mal. N'est-ce pas, chérie? Toute la nuit, il n'a pas arrêté de pleurer. Impossible de partir de chez lui. Il va vraiment très mal. Le, hey, le voilà, dites rien, et vous savez qu'il a sa fierté. Tout va très bien se passer. Bonsoir. Salut. Tout le monde. Comment ça va? On a mis du temps. Désolé du retard, mais j'ai eu une journée incroyable. Oh, on s'est bien juste d'arriver. Vous avez commandé? Non. Oui. On a commandé une petite chose, on a payé des petits bénéfices. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne savait pas très bien si Elena allait venir ou pas. Chérie, chérie. Quoi? Laisse tomber. C'est pas nécessaire. Bon, on recommande une. Oui. Celui-là est pas très bon. D'accord, t'as à choisir. On commande une autre bouteille d'eau. Avec Elena, c'est fini. Elle m'a quitté. Bah dis donc. Quelle surprise, non? Je m'y attendais pas. Pas du tout. Ça a été une belle histoire, mais si c'est terminé, c'est terminé. Je dois l'accepter, non? C'est le premier pas vers... la libération. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est très bien. Je reprends ma vie le dessus. Tu verras sur moi. Comment tu te sens? Non, je vais bien. Tu peux compter sur moi. Ça va, je vais bien. En fait, j'ai passé une sale période, mais je vais mieux. Je ne pense plus à elle. Mal, non? On doit trouver quelque chose de mieux. Et si on mettait une femme toute nue se baignant dans un lac irréel, illuminé uniquement par le clair de lune? Trop abstrait. Et un mannequin pieds nus qui marche sur un tapis de pétales de rose sur la surface de la lune? Non, il nous faut quelque chose de plus... de plus moderne. Plus moderne? Plus moderne... Ah, j'ai trouvé. Sur les toits de Paris, une fille qui regarde la lune avec un télescope disproportionné. Esthétique cinéma muet. Ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Ça peut marcher. Ben, je suis foutu. Bon, voyons. Et la lune qui sort de l'horizon? Ça me plaît. Ouais. À quoi?
contre-jour, un couple, je sais pas, qui ouais. court, par exemple, sur le sable d'une plage. Court, ouais, c'est bien ça. Et ils s'arrêtent au milieu de la lune et ils s'embrassent sur fond blanc à contre-jour. Bon, on regarde. Si on travaille un temps, et si on réserve un cadre pour un duel à l'épée. Plutôt un truc intellectuel, je sais pas, plus d'action, tu vois. Très ouais, je suis un continu qui se bat. D'accord, bien. J'aime bien. Oui, c'est ça. Les épées qui prennent la lumière et qui luttent pour ouais, la neige, pour la dée. On peut vraiment jouer sur la lumière. Oui, voilà. C'est super. Ah oui, ça j'aime bien. Bon, les enfants, je m'en vais. Aujourd'hui aussi, tu déjeunes pas avec nous? Non, c'est que j'ai un problème avec le garagiste. Avec le garagiste, qu'il dit? Avec la super caisse qu'il a? Ouais, je comprends pas. Allez, sinon il va fermer. Qui? Comment ça, qui? Le garagiste. Ah, le garagiste. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait tarder un petit peu. Tu pouvais pas le dire avant? Ben, c'est que sinon tu serais pas venu et j'ai besoin que tu m'accompagnes quelque part. Écoute, Nikki, mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis en vacances, peut-être? Tu te fâches toujours? Non, non, je suis pas fâché. Si, t'es fâché. Non, non, je ne suis pas fâché. Si, t'es fâché. Je te dis que non, non, je suis pas fâché. Ben si, t'es fâché. Eh ben si, si. Je suis très, très fâché. Quoi? T'as un maillot de bain? Enlève tes pieds. Oh, t'es lourd. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Eo! T'es sûr que tu veux pas venir te baigner? Ouais, j'en suis sûr. À partir de quel âge on devient un peu chiant? À partir de 18 ans. Alex. Quoi? Merci de m'avoir accompagné. It occurred to me this very morning. Every day lays out like Sunday for me. Ne sois pas timide, demande la lune. Non, en publicité, on doit éviter les phrases négatives. Ouais. Ça y est, j'ai trouvé. Une ville la nuit, et tout à coup, une pluie de parfums qui descend délicatement de la lune. Vraiment pas mal. Mais ça a déjà été utilisé dans une campagne il y a 5 ans. Je pensais que ce serait plus facile. Si ça l'était, je pourrais pas me permettre de claquer tout ce fric pour toi. Ha, ha. Oui, mais tu pourrais peut-être aller plus souvent à la plage, ou manger plus souvent une terrasse face à la mer, ou voyager. Pour faire ça, il faut de l'argent. À quoi ça te sert le fric si t'as pas le temps d'en profiter? Si quelque chose te plaît pas, change-le. Je pense que tu devrais quitter ton boulot. Eh ben tiens, en voilà une merveilleuse idée. Je vais immédiatement l'annoncer à mon patron. L'autre équipe vient de finir sa proposition. Il paraît qu'elle est bonne.
Il faut qu'on parte. D'accord, mais attends, tu vas quand même pas t'inquiéter pour ça. On file chez toi, on se met au boulot, toute la nuit s'il le faut. Ouais, bien sûr. Ben tiens. Alex, tu veux bien me laisser t'aider, s'il te plaît? Non, Nikki, laisse tomber, t'arriveras pas à me convaincre. Mais Alex, je t'assure que je vais trouver une très bonne idée. Je t'ai dit que non. Je vais pas t'amener dans mon appart. Super classe. C'est incroyable. Elles sont toutes super connues. C'est toi qui les as faites? Oui. T'es un génie. J'étais un génie. Dis pas de conneries. C'est toi aussi cette pub? Ouais. J'adore cette marque de soutif. C'est la seule que j'utilise. Ouais, ben je suppose que c'est parce que la campagne a fonctionné. Ouais, faut quand même pas exagérer. La plupart du temps, comme aujourd'hui, j'en porte pas. J'en ai pas besoin. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Alors, chez toi, on peut prendre un verre ou quoi? Bien entendu, ouais. Qu'est-ce que tu veux prendre? Voyons voir. J'ai ici du rhum, du gin, de la vodka, du bourbon. Un verre de coca. Ouais, d'accord. Et des glaçons. Des glaçons, ouais. On est là pour travailler, non? Bien sûr qu'on est là pour travailler. Comment ça va, mon grand? Quel plan tu as pour ton petit monstre? Non, Pedro, je suis pas seul. Elena est de retour. C'est génial, je vais la saluer. Non, c'est pas ça. Salut. Salut. Je t'attends sur la terrasse. À bientôt. À bientôt. Écoute, tu fermes ta gueule. T'es un enfoiré. Mais quel âge est-là? Non, Pedro, c'est pas le moment. Je sais que c'est pas le moment. Dis-moi seulement quel âge est-là. Va-t'en, je te dis. Bon, d'accord, écoute, je garde le secret, mais toi, tu m'organises un repas avec ses copines. Hop, au revoir. Quel enfoiré. C'est super joli. Ça te plaît? On pourrait lancer cette nouvelle boisson sur le marché. Le jasmin cola. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beaucoup trop compliqué. Tu vois, les gens préfèrent les choses très simples. Ben, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un très grand succès. Le goût est super bon. Tu veux bien m'embrasser? Comment? Tu m'embrasses? Non, Nikki, non. C'est impossible. C'est pourtant une chose facile, embrasser. Non, c'est que... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah. Oui. Voyons. Laissons parler ton cœur. Il dit que non. Que non, quoi? Qu'entre toi et moi, les choses ne sont pas compliquées. Elles sont très simples. Non. Thank you.
watched you fall into his arms again, and I've thrown it all away. I watched you fall. Take me back, take me home, watch me fall down to earth, take me back, for you are the start of something new. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Maman. Il est très tard. Ouais, désolée. C'est pas grave, va te coucher. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle était sûrement avec ce garçon mystérieux. Mais non, elle était avec ses copines. Roberto, elle a les yeux qui brillent. C'est comme si elle venait juste... Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais non, mais non. Mais si, chérie, mais si. Je te dis que non, enfin, chérie. Tu ne te rappelles pas tous les deux chez tes parents ? Mais non, je t'ai dit. Décrochez-la. Ne demandez pas la lune. Décrochez-la. Ça me plaît. Ça peut marcher. Même si c'est une phrase négative ? Même si c'est une phrase négative. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, Nikki. Ne demandez pas la lune, décrochez-la. Ça peut fonctionner. Il faut absolument qu'on trouve une image qui fonctionne avec le concept. Arrêtez de penser, arrêtez de demander. Ne perdez pas le temps à essayer d'être heureuse. Soyez heureuse. Aussi simple que ça. Vous voulez la lune, décrochez-la. J'adore, c'est formidable. Allez, il nous reste 3 heures. Au boulot. Allez. Et c'est ça, Laurie ? Ouais, et on commence avec Matt et après... Nikki ! Oh, salut ! Ça va ? Ça baigne ? Oui. Et écoute, j'aurais besoin que tu me fasses un dessin, c'est pour une campagne de publicité. Ah, mais non, non, tu vas nous parler maintenant. D'accord. Tu vas tout nous raconter, tout. Arrêtez, j'en peux plus. On arrête si tu avoues. D'accord, je vous raconte tout. Il s'appelle Alex. Tu te l'es tapé ? Non. T'es qu'une sale menteuse ! Aïe ! Fais tout mal ! Tu te l'es tapé ou non ? À peine. Oh, il a quel âge ? Il est... un peu plus âgé. Un peu plus âgé ? Combien ? Quelques années. C'est combien, quelques années ? 37 ans. Quoi ? J'y crois pas, mais putain, ça fait une différence de 20 ans. Et t'as fait l'amour avec un homme mûr ? Bah alors, les filles ? Allez, en cours ! C'est super excitant. Il a pas un pote pour moi ? Oli ! Toi, t'inquiète pas, il y en aura certainement un pour toi aussi. Putain ! Et pour toi ? T'es vraiment cinglée ? Bah non, je crois qu'ils sont tous en couple. Ah ouais, et depuis quand c'est un problème ? Oli, enfin ! S'il te plaît, présente-le-moi, Nikki, allez ! S'il te plaît, présente-le-moi, allez ! Présente-le-moi, allez ! Ça te coûte rien, allez ! Présente-le-moi, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ok, je trouverai l'occasion. Mais toi, prépare tes crayons, faut que tu me dessines un truc. Là, en fait, il suffisait de calculer l'intégrale avant. C'était ça. Ah, oui ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et celui-là, qu'est-ce que t'en penses ? Fais voir. Ça marche pas. Le tout fait trop daté.
Dis pas vieux, dis vintage. Vintage. Il y a Léo qui m'attend. Allez, Jacques Test. Bonne chance, Alex. Bon courage. Bonne chance. Putain, je stresse. Bonjour, Alex. Bonjour, Marcelo. Je t'en prie. Au téléphone. Si vous n'avez pas de rendez-vous, il ne peut pas vous recevoir. Olga, ça va, je m'en occupe. Je la connais. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est des dessins de ma copine Oli. C'est seulement une ébauche, mais va savoir. Non, Nikki, maintenant je peux pas. J'ai une réunion très importante. Tu peux y jeter un œil, s'il te plaît? Voyons. Celui-là. La lionnette parotte, bonjour. Celui-là, ça pourrait marcher. Est-ce que t'as un bic? Oui, bien sûr. Voyons. Qu'est-ce que t'en dis? J'aime beaucoup. Bon, j'y vais. Tiens. Je t'appelle plus tard. Merci. Attends. Tu vas pas m'embrasser. Non. Je t'ai pas demandé un bisou. Je t'ai demandé un vrai baiser. Je travaille ici, tu sais. Et alors? Comme vous pouvez le voir, j'ai voulu transmettre une sensation de pouvoir, de liberté. Un voyage. J'ai l'impression que c'est démodé de maqueter ou de composer avec la lune ou sa texture. Trop évident, non? C'est une très bonne surprise. Oui, j'avoue. J'espère que c'est bon ce que tu as là. Bon, ce ne sont que des ébauches. Mais je crois qu'elles sont dans la ligne de ce qu'on recherche. Jeunesse, différence, innovation. Mais si tu veux que je revienne à quelque chose de plus traditionnel... Ils sont parfaits. Je vais leur envoyer les deux options pour voir ce qu'ils en disent. Je savais que ça te ferait du bien, un peu de concurrence créative. Bien, bien. Allez, on y va. Attends. J'en peux plus. Tiens. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais que ça n'a aucune importance, mais dis-moi, elle a quel âge? 17 ans. C'est pas vrai. Je me sens mal. Quelle chance, mon gars. Quelle chance. Alex, tu sais qu'il y a 20 ans de différence. Je sais, mais avec Nikki, je me sens... moi-même. Je me sentais pas comme ça depuis vraiment longtemps. Mais pour 17 ans, tu vas pas en taule? Non, c'est 16 ans. L'âge légal, c'est 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avocat. Écoute, Alex, c'est normal que tu veuilles oublier Elena, mais tu dois garder les pieds sur terre. Elle n'a que 17 ans. Quand t'auras 42 ans, elle sera encore à l'université. Et si tu vas avoir des gosses, hein? Ah. Ce que tu dois faire, c'est chercher quelqu'un qui puisse combler tes besoins. Tu sais, Carmen voudrait te présenter une collègue de travail qui est célibataire. N'écoute pas ces deux bonnes sœurs. Fais ce que t'as envie de faire. Écoutez, s'il est amoureux, il est amoureux. Je voulais te demander, elle a pas une copine qui peut faire la bamboula? Allez, oh, arrête, pédant, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? En place, on y va. On joue.
attendez, allez, 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 allez. Je sens le chocolat, la noix de coco et la chantilly. Qu'est-ce que je dis à mes parents s'ils s'en rendent compte? Que t'as fait fondre un vendeur de glace. T'es bête. Où c'est? Je l'ai acheté dans une brocante, il y a longtemps. Quand je l'ai vu, j'ai compris tout de suite qu'il était pour moi. Je crois pas qu'il y ait une meilleure manière de se retrouver soi-même qu'en allant s'y perdre. Au milieu du néant. Entouré par l'immensité de la mer. Et avec un phare comme seul guide. Ce serait pas merveilleux? Quoi donc? Eh ben, que t'arrêtes de bosser pendant un temps et que t'ailles vivre dans un phare. Ouais, ce serait merveilleux. Mais, impossible. Ça peut te paraître absurde, mais dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Moi? Qui? Le gardien du phare? L'homme de ma vie. Qui d'autre? J'ai 20 ans de plus que toi, Nikki. Qu'est-ce que ça peut faire? Avec la quantité de choses qui se passent dans le monde? Nikki, s'il te plaît, on se connaît à peine. Ouais. Mais moi, j'ai eu une conversation avec ton cœur. Tu t'en rappelles? C'est seulement une question de temps. De jour en jour. Je veux pas que tu te fasses d'illusions. D'accord. D'accord. J'ai une idée. Toi et moi, on va faire un deal. Comme ça, on apprendra à mieux se connaître et tu te rendras compte que tu peux pas vivre sans moi. Et ce serait quoi, le deal? Exactement. Moi, je t'aide un peu dans ton boulot. Et toi, tu m'aides pour un bidule. Un bidule? Quel bidule? Le grand amour est un calcul erroné, un saut dans le vide. Sans filet, c'est une chose pour laquelle on n'utiliserait à aucun prix le mot « jamais ». Lorsqu'on est fatigué de la monotonie, on a besoin d'une personne qui nous rappelle que l'amour, c'est se laisser aller, c'est être libre, c'est avoir le courage de le suivre les yeux fermés, sans craindre ce qui pourrait arriver. C'est alors que l'on découvre que l'amour véritable est une variable de la folie douce de la vie. Une variable qui construit des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans notre mémoire. C'est quoi? Alex et Nikki Forever. À jamais. Comme ça, quand tu auras de la buée sur la vitre, au lieu de te fâcher, ben, tu penseras à moi. Au revoir. Tu viens d'où? J'ai bossé avec Oli. T'as bossé avec Oli? Oui. Pourquoi tu ne me parles pas de ton copain? Il y a un problème? Maman, sois pas parano. Allez, embrasse-moi. Bonne nuit. Bonne nuit.
Comment j'ai pu me laisser convaincre de venir ici? C'était vraiment le seul endroit où on pouvait passer inaperçu. Je vous jure, c'est la pire idée que j'ai eue de toute ma vie. Eh ben, je te rappelle que tu couches avec une mineure. Gentlemen, on est en guerre. Chacun pour soi et surtout pas de quartier. Elles sont trop jeunes, je m'en vais. Enrique, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et moi, j'attaque sur le flanc droit. Voilà. Bonjour les filles, ça va? Salut. Bonjour. On avait très envie de vous rencontrer. Alex nous a beaucoup parlé de vous. Ah oui? C'est bizarre parce qu'il ne nous connaît pas du tout. Enrique, Felipe et bon, Alex. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Et elle, c'est Diana, Erika et Oli. Ah, et donc toi, c'est Nikki. C'est à cause de toi qu'Alex a autant maigri. on y va? Allons-y, oui, que la fête commence. Écoute, Nikki. Quoi? Je voulais te dire. Celui avec la cravate, il est pas mal. Il est marié. Non. Eh ben alors, je me suis jamais fait un homme marié. Oli, non. Qu'est-ce que tu penses d'Alex? Vachement bien. Arrête, tu vas. T'en veux? Ouais. Tu sais comment ils m'appellent, mes potes? Le fêtard. Vrai ou faux? On t'a jamais appelé comme ça, tu sais. Ça faisait au moins 15 ans que j'étais pas allé au parc d'attractions. Putain, moi je veux pas vieillir. Moi, la seule chose qui m'attire dans le fait de vieillir, c'est d'avoir un enfant. Ben, tu vois, moi je pensais la même chose. Jusqu'au deuxième gosse. Aujourd'hui, je prends une cuite. Dans un parc d'attractions. C'est pathétique, mais bon, j'en ai besoin. Pourquoi? Je me suis engueulée avec mon copain. Tu te rends compte, chaque fois que je sors avec mes copines, il se fout en rogne. Il y a des mecs qui contrôlent tout. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, ça marche? Ça pourrait être pire, on va dire. Au moins, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de dérive. Les filles! Bon. On met les voiles. À bientôt. Il vaudra mieux que je m'accroche très fort à toi. Je suis un froussard. Je vais chercher mon scooter. Merci. 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 Papa! Mais enfin... Mais Pedro, t'avais pas une réunion? Si. J'arrive pas à le croire. Tu l'as annulé pour être avec nous? Oui, je suis venu vous chercher pour aller... au zoo. Au zoo? Pourquoi tu viens ici pour nous emmener ailleurs? T'aurais pu m'appeler? Parce que... Attends une seconde. Tu voulais nous faire une surprise? Bien sûr, mon cœur. Tu me connais. Viens ici. Attends, je reviens. Comment? Oui, vous retournez dans le centre. C'est simple. Vous prenez cette rue-là, au premier rond-point, c'est la deuxième à droite, d'accord? C'est vraiment facile. Allez, bonne journée. Fils de pute. Eh ben, voilà des manières. Génial. Très aimable. Quel mal élevé. Ah ça, alors, ces jeunes ne pensent qu'à eux. Bon, alors... On y va au zoo? Oui! C'est le phare qui est sur le tableau? Le même. Tu le vois pas? Comment t'as fait pour le trouver? J'ai utilisé un truc qui s'appelle Internet. Ah. Tu connais? Il est très beau. Il y a seulement une chambre. Mm-hmm. Et la mer. Du haut du phare, tu surveilles les bateaux et leur route. Leur vie dépend de toi. Tu illumines leur voyage. Comme toi. Toi, tu illumines le mien. Qu'est-ce que tu fais? Je dois rentrer chez moi. Mais bon, on reste ici, endors-toi tranquillement. Je vais prendre un taxi, amour. T'as dit quoi? J'ai dit, il commence à être tard et je dois rentrer chez moi. Mais je vais prendre un taxi. Viens ici. Viens. Ici. Comment tu m'appelais? M'embête pas.
Répète seulement le dernier mot. Pardonne-moi. Non, je crois pas que tu m'aies dit pardonne-moi. Pardonne-moi si je t'appelle amour. À partir de maintenant, je t'appellerai comme ça. C'est décidé. Amour. Amour. Bon, il faut que je parte. Bonne nuit. Sa femme est arrivée, il m'a laissé en plomb. Quel enfoiré. Désolé, les mecs à cet âge-là, ils sont pas dignes de confiance. Celui-là a jamais dû être digne de confiance à n'importe quel âge. Bah, Alex, c'est différent. Ouais, bah ça, c'est ce que tu crois. Il s'amuse avec toi parce que t'es plus jeune et que tu mets du piment dans sa vie. Les filles, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu peux être relou? Nicky, écoute-moi. Que ce type veuille s'amuser avec une jeune nana, c'est une chose. Mais qu'il veuille une relation sérieuse... Et tout ça, si t'as la chance qu'il ait pas déjà une femme qui traîne dans le coin. Chut, silence, s'il vous plaît. Ou des enfants. Mais non, Alex me ferait jamais de mal. Bon, y en a marre. Quoi, on peut pas bosser ici? Oh, je vais l'étrangler. Salut, tu viens me chercher au lycée? Non, je peux pas, j'ai une réunion. Et pour déjeuner? Non, j'ai déjà un rendez-vous. Ouais, mais si tu l'annules? Impossible, c'est vraiment important. Oh. Je te laisse, on se voit ce soir. Bisous. Je t'embrasse. Et alors? Non, rien, il est occupé. Ouyouyouy. Qu'est-ce que ça veut dire, ouyouyouy? Fais pas attention à elle. Ce qui est important, c'est qu'il ressente pour toi ce que toi, tu ressens pour lui. Allez, on y va. Et vous savez pas où il est allé déjeuner? Désolée, je ne peux pas vous donner cette information. Ouais. Merci. Au revoir. Comment vous allez l'appeler? Eh bien, on hésite encore entre Théo et Alberto. Ah, j'aime bien les deux. Punaise, j'arrive pas à y croire. C'est formidable. Et comment tu digères l'histoire d'Elena? Ben, maintenant bien. J'étais pas bien pendant quelques mois, mais... J'ai rencontré une fille. Super, super zen, très, très mature... Peut-être que il y a quelque chose qui accroche un peu. Dis, c'est pas ta bagnole, ça? Putain! Nicky, mais qu'est-ce que t'as? Lâche-moi! C'est devenu folle! Lâche-moi! Nicky, arrête! Lâche-moi, je t'ai dit! Folle. Lâche-moi! Nicky, calme-toi! Nicky, calme-toi! Alors comme ça, t'étais en réunion, hein? J'ai un rendez-vous très important! Et elle est enceinte d'au moins 8 mois! Salaud! Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, je ne t'avais rien dit, mon amour. Je te présente Nikki. Nikki, elle, c'est Gina. Mon rendez-vous très important et surtout... ma petite sœur. Enchantée. Justement, il me parlait de toi. Je suis désolée, je dois partir. Je suis vraiment désolée. Vraiment mature, oui. Je ne veux pour rien au monde rater le jour où tu la présenteras à maman. Très drôle, Gina. Je t'appelle plus tard. Nikki? 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 Excuse-moi, j'ai pété un plomb. Mes copines me disent que t'es seulement avec moi pour t'amuser. Et quand je t'ai vue avec elle, ben, j'ai pété un câble. Écoute. Pour moi, tu es très importante. Ouais, ça tu le dis maintenant. Mais t'en auras vite marre de moi. Parfait. Bon alors... dis-moi ce que je dois faire pour te prouver que c'est du sérieux. Eh ben, il y aurait bien un truc, mais je crois pas que ça va te plaire. Je suis prêt à faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit? Ouais. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous fichez? On va arriver en retard. Faites toujours attendre.
Et Marc, tout le monde dans cette maison se fout de ma gueule. Évidemment. Oui, ben tel père, tel fils. Ouais, pour ce qui est mauvais, c'est toujours ma faute, hein. Au revoir. Bisous, mon chéri. Allez, monte. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Belli. Je suis venu pour... Oui, on vous attendait. Entrez, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, je savais que vous veniez. Entrez, s'il vous plaît. Bien, merci. Par ici. C'est dommage que mon mari ne soit pas là. Il avait très envie de vous parler. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, allons droit au but, vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, allons droit au but. Voilà, j'ai 39 ans et mon mari 45. Nous avons eu Nikki très jeune. Et pour nous, notre fille est ce qui compte le plus dans la vie. Bien sûr, ouais. Vous avez des enfants? Non, 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 non. Quel dommage. Quel âge avez-vous? Qui, moi? Eh bien, 30... 7. Ce qui m'inquiète le plus, c'est son avenir. C'est pourquoi on voulait en parler avec vous. Mon mari et moi, on y a pensé beaucoup. Et nous sommes convaincus que ce sera une bonne décision. Vous et votre mari également? Bien sûr, évidemment. Bien. Bien, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de 15 000? On serait disposé à monter jusqu'à 20. Qu'est-ce qui se passe, c'est peu? Non, c'est qu'il me semble qu'on ne devrait pas négocier ce genre de choses. Vous avez raison. 25 000 et on n'en parle plus. 25 000? Oui. Ouais. Oui. En fin de compte, Nikki devra vivre avec cet argent pendant ses années d'études. Et c'est votre banque qui nous a offert les meilleurs avantages. Ah. Oui. Bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien. Alors, quelqu'un de l'agence vous appellera. Bien. Il ne faut rien signer? Ne vous inquiétez pas. Ils s'occuperont de tout. Je vous raccompagne. Une non, seconde, vraiment, c'est prie. Inutile. Ah ben, justement, c'est mon mari. Oui, mon chéri. Vous voulez lui parler? Non, 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 non. Merci. À bientôt. Attends une seconde. Je vous remercie. Très aimable. Oui, le type de la banque vient de partir. C'est bizarre, il vient de m'appeler pour me dire qu'il a eu un problème avec sa voiture et qu'il ne pourrait pas venir. Allô? Tu m'entends? Oui, oui. C'est étrange, non? Simona, il y a un problème? Non, non, rien. On en parle ce soir. D'accord. Bien. Je t'embrasse. À plus tard. Alex, entre. Assieds-toi. Les Japonais ont rejeté les deux propositions. Ils disent que les deux idées appartiennent à l'univers de la fantaisie. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est rêver avec réalisme. Que ce soit tangible et crédible. Pas de fantaisie passagère qui s'évapore du jour au lendemain. Il faut inventer un rêve auquel on peut croire. Un rêve crédible. Entendu. Il n'y a pas du tout de marge d'erreur. Allez, un coup de collier. Thank you.
Excusez-moi une seconde. Pas de problème. Salut. Salut. J'ai été promue dans la boîte. Et maintenant, je m'occupe des contrats de publicité. Félicitations. Tu le mérites vraiment. Merci, c'est gentil. Ça va ? Bien. Et toi ? Vraiment bien. À vrai dire, vraiment bien. Avec la promotion et le nouvel appart, j'arrête pas. Et puis, à propos des anciens potes, tu te souviens de Julia ? Bien sûr. Comment elle va ? Ben, elle attend son troisième enfant. Eh ben... Ça faisait longtemps qu'on la voyait pas. Le temps passe à une vitesse folle. Ouais. Bon, j'y vais. J'ai une réunion avec Léo. Mais ce serait génial de dîner avec tout le monde un de ces soirs. Ces dîners me manquent, tu sais. D'accord. C'est quand tu veux. Parfait, alors. À la prochaine. À bientôt. De bière, s'il vous plaît. Ta carte d'identité. Pardon ? Ta carte d'identité. Mais non, mon pote, c'est une blague. Et alors, t'es venu chercher ta fille ? Alors, séance de pilotage ? Quoi ? Comment ça, quoi ? Et en plus, devant tout le monde, Nikki. Putain, mais de quoi tu parles ? De Steve, là, et de la manière dont vous dansez, putain. Stop, arrête, Saturé, mets-toi dans le crâne une bonne fois pour toutes que t'es pas le centre du monde. Nikki, t'as pas encore compris que t'es en train de me tourner en ridicule devant tous mes copains ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Toi, t'en mêles pas, le vieux. T'en mêles pas, écoute, ok ? Écoute, ça tourne, t'es bourré, casse-toi, allez ! Tu pourrais quand même admettre une putain de fois que je te plais. Une fois ! Mais t'es complètement malade ! Un peu de calme. On va tous essayer de se calmer. On est là pour s'amuser, non ? Un vrai connard, ce mec ! Mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est espèce vraiment de crétin, arrête, dégage, ça fait pas qu'est-ce que t'es des ne coupe pas, viens, putain. Tu pourras pas nier que chaque soirée passée à mes côtés est une expérience inoubliable. Parle-moi, s'il te plaît. Tout le monde a raison, Nikki. Ce qu'il y a entre nous, c'est... une illusion. Mais pourquoi est-ce que t'as aussi peur ? Peur ? Oui ? Peur de quoi ? Peur de l'amour. Non,
C'est pas ça le problème. J'ai 37 ans, le double de ton âge. Et il y a un instant, je me battais dans une discothèque avec un ado. C'est impossible. C'est impossible que ça marche entre nous. Mais amour, écoute... Très bien. Quand il boit, il devient insupportable. Ça a été génial ce soir. T'es sûre que tu veux pas que je te raccompagne ? Non, vraiment. Merci. Comment elle va? Elle est inconsciente. Ils lui font des examens pour voir s'il y a une commotion cérébrale. Mais ils savent pas si elle serait bien. Mais qu'est-ce que... Une bagnole l'a percuté. Une vacherie. Mademoiselle, vous pouvez entrer. Todo lo dimos se nos fue. Soñé que siempre estaría a tu lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Me va a tocar entender que hacer tus abrazos. Me va a tocar entender cómo dejar de querer, saber volarlo bien, que igual que él no fue. Que hoy espero. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de nuevo. Oh,
T'es une maligne, toi. Qu'est-ce que tu crois, que tu vas pouvoir zapper le bac? T'as un de ces culots. Bah non. Tu dois encore m'aider avec Kurt. Allez, quoi? Il faut absolument que tu te réveilles. Tu peux pas nous laisser comme ça. Au moins pour que tu nous racontes la première fois que t'auras fait l'amour. Qu'est-ce que t'es casse-pied? Comment ça va? Tu peux pas savoir comme tu l'as manqué. Comment ça va? Tu l'as dit, c'est fou aussi. T'as failli zapper le bac. Faut qu'on prévienne ses parents. Oui, alors je vais aller voir le patient de la chambre 113. Il faudra continuer à interroger. Joyeux anniversaire. Je vous adore. Pour toi. Voilà les cadeaux. Tout ça? Mais qu'est-ce que c'est tout eh ça? Eh ben, c'est pas tous les jours qu'on a 18 ans. Et ça, c'est pour une nuit vraiment spéciale. Ah ouais? Fais voir. Non, mais tu l'ouvres pas maintenant. Ok. Je peux entrer? Oui. Oui? Oui. Sinon, je repasse non, pas. Non, justement, on partait. C'est dans la poche. Ne me déçois pas. Il est super mignon. Au revoir. Salut. Salut. Tu veux que je t'aide? Tu me dis rien. T'as fait des petites mèches, non? Ouais, ça te va très bien. Nikki. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est incroyable. Incroyable. C'est mon anniversaire. Je suis désolé. Vraiment désolé. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et toi, t'arrives à oublier. Ouais, je sais. J'ai complètement zappé. S'il te plaît, Nikki, excuse-moi. Tu peux toujours courir. Mais enfin, te fâche pas. Je te promets que demain, je te ferai un joli cadeau. Tu t'arranges pas? Je m'en fous que tu me fasses un joli cadeau. Je veux que tu t'en souviennes. Où est-ce qu'on va? Je sais pas, on pourrait aller déjeuner quelque part, non? Enfin, si t'es pas trop en colère. Où ça? J'ai aucune idée. On trouvera bien un resto ouvert dans le coin. Tiens, j'ai une idée. En fait, il y a un resto d'un de mes copains pas loin d'ici. Et je crois que je dois voir son adresse là, dans la boîte à gants. Top 50 continue, j'adore, j'espère que vous aussi. C'est ça? Numéro 3 de Top 50, il est long et well back. Saldré à buscar una valle de un unicornio negro. Señales de que tu pisas de ya hace tiempo. Joyeux anniversaire. On va à Paris? Mais qu'est-ce que je dis à mes parents? Ça va, t'inquiète pas. La chère Oli s'est occupée de tout. Mais je dois réviser pour mon bac! Bien sûr. Et moi, je dois terminer ma campagne. Mais quelqu'un m'a dit un jour qu'un peu d'air frais pouvait servir d'inspiration. Fais gaffe, fais attention. Bienvenue dans la ville de l'amour. Merci beaucoup, mon ami. L'amour qui sommeille dans un soir.
ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. Je te vole une plume pour écrire une rime au clair de la lune, mon ami l'idylle, mon ami idéal, à la larme fatale, ma folie, mon envie, ma lubie, mon Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Tu as bien dormi? Et toi? J'ai bossé un peu. T'as bossé un peu? Et finalement, j'ai découvert l'image de la campagne des parfums de la marque La Luna. T'es sérieux? Voyons ce que t'en penses. Tu n'aimes pas? C'est merveilleux. Ça m'a semblé intéressant qu'apparaisse le produit. Je pense qu'ils vont adorer. Il y a une touche française qui, je crois, peut leur plaire beaucoup. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute ça. Mon patron est tombé amoureux de toi. Il dit que t'as l'étoffe d'un top modèle. T'es sérieux? Il a vraiment aimé les photos? Il a adoré. Les Japonais ont acheté la campagne et je suis plus viré. Ah Nikki? Si on déjeunait ensemble à Tokyo pour célébrer ça? Non, je peux pas. Je dois rendre les archives définitives cet après-midi. Bon, d'accord. Nikki? Merci. Pourquoi? Pour tout. À tout à l'heure, amour. Je t'embrasse. Bonjour. Je suis sortie du travail et je me suis mise à errer. Et puis soudain, je me suis retrouvée devant chez toi. Tu n'étais pas là. Mais comme j'avais encore les clés... Tu sais, l'autre jour, je t'ai menti, Alex. Je vais pas bien. Tu me manques beaucoup. Quand tu m'as demandé en mariage, j'ai eu peur. Je ne voulais pas admettre que ma vie avait filé aussi rapidement. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas faire l'idiote, comme si j'avais encore 20 ans. Tu te souviens?
La matrioshka symbolise la famille. Grande. Inséparable. Tu es partie, Mélène, en ne me laissant qu'une lettre. Et maintenant, tu réapparais. Comme par enchantement. Et tu crois qu'on peut reprendre notre histoire comme avant? Ça n'a plus d'importance. Je suis ici. Et ma réponse est oui. Je le veux. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Dans la voiture. Attends, Nikki. Attends une minute. Say something. Qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? J'ai beaucoup pensé à notre relation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous deux. Ça va pas. Mais pourquoi? On essaye et la relation va bien pour l'instant. Ouais. Mais j'ai une autre vie, Nikki. Et aussi d'autres besoins. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucune idée. Aucune idée. Tout est confus. Mais je crois que c'est une erreur de notre part de penser que tout peut marcher. Une erreur? Alex, les choses se terminent quand il y a une bonne raison. T'as une bonne raison pour me quitter? Je t'ai demandé si t'avais une bonne raison pour me quitter. Je me suis voilé la face, Nikki. Je me suis voilé la face durant tout ce temps. Nos univers sont complètement différents. Il vaut mieux que chacun d'entre nous retourne à la place qui lui correspond. Retourne à la place qui lui correspond? Retournez où, Alex? Où ça? Hein? À cet incroyable boulot où tu devenais aigri? Ou dans cette belle maison où tu broyais du noir? Ou dans ces dîners entre amis où tu te faisais chier? Ou à la retourne avec cette gonzesse qui t'a laissé tomber quand... C'est pour elle. C'est pour elle? Espèce de lâche. Espèce de lâche de merde! Go.
retourne alors aux vieilles habitudes, aux petits soucis du quotidien, au besoin de se sentir en sécurité et tranquille. L'expérience crée une armure pour nous protéger des blessures. Et elle nous oblige à nous lever, à continuer, quoi qu'il en soit. Les jours passent et on parvient à se convaincre que les rêves n'existent pas et qu'il vaut mieux se conformer à la réalité. Finalement, et sans s'en rendre compte, on se retrouve plongé dans la monotonie et on oublie qu'il fut un temps où on était jeune et où on prenait des risques pour aimer et pour vivre de manière différente. Chaque histoire d'amour est unique. T'es sûr que tu veux m'aimer ? Il y a des gens qui attendent et attendent pendant des années que leur âme sœur apparaisse. Il y en a d'autres qui la trouvent sans la chercher, au moment où ils s'y attendaient le moins. Hey, salut, tu viens de Ça va ? Ça va ? Et il y en a d'autres, alors qu'ils pensaient l'avoir rencontrée et que ce serait pour la vie, qui soudain se rendent compte qu'ils s'étaient tout simplement trompés. Ça peut plus durer comme ça. Comment ? Si on ne fait pas d'efforts chaque jour pour nourrir l'amour... Ça te dirait d'aller au théâtre ce soir ? Demain matin, on doit se lever tôt. Il finit par succomber à une mort très, très, très lente. Mais heureusement, l'amour connaît des revirements et il y a des surprises inespérées qui changent tout pour toujours. Regarde, chérie, je suis enceinte. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients d'avoir rencontré l'âme sœur. Jusqu'à ce qu'on la perde. La vie Qu'il pleut. Punaise. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je vais pas aller au dîner. Pourquoi ? Tu te sens mal ? Il t'est arrivé quelque chose ? Non. Je vais bien. Elena. Je ne t'aime plus. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ? J'aime une autre femme. Et j'étais vraiment lâche de... ne pas m'en être rendu compte avant. Je suis désolé. Menteuse. Oui, c'est ça. Bon, allez, un peu d'enthousiasme. On est en interrail, mince. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'on va draguer comme des malades. Ça t'a fait du bien de te séparer. Bah quoi ? On est les déferlantes ou on n'est pas les déferlantes ? Non, Nikki. Nikki, donne-moi ça. Non, non, Nikki, non, Nikki, non. Tu te prends pour qui pour emmerder le monde ? Non, c'est toi qui m'écoutes. N'appelle plus jamais Nikki, t'as compris ? Tu prends ta campagne, ta gonzesse et ta bagnole et tu vas te faire voir chez les Grecs. Arrivederci. Range-moi ça.
C'est qui celui-là? Le type de la banque. Je t'ai raconté. Roberto, laisse-moi lui parler. D'accord? Bonjour. Nicky est en vacances. Oui, je sais. Je voulais seulement vous laisser ça pour elle. Elle va en souffrir. J'espère qu'elle va en sourire. Qu'est-ce que tu fais? On voit rien du tout. Je vais l'ouvrir. Hé, tu as pas intérêt à faire ça. Je vais l'ouvrir avec un peu de vapeur et je la referme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on va pas ouvrir la lettre. Écoute, Roberto, remets-le-moi. Roberto, non, Roberto. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Comment? Chez un concurrent? Je prends de longues, très longues vacances. Et je ne pense pas que je te répondrai au téléphone. Les enfants, bossez pas trop. Marcelo! Le poste, il est à toi. Après, on a rencontré des Norvégiens super sympas. Regardez, c'était dans cet hôtel. Regardez. Un hôtel minable. La chambre était super nulle, on était serrés comme des sardines, mais putain, on s'est bien marrés. Et puis, à part ce jour-là, tous les jours, on a dormi sur la plage, dans les gares ou en camping. Mais toujours à la belle étoile, parce que vous pouvez pas savoir la chaleur qu'il faisait, on pouvait même pas respirer. Où est-ce que j'ai mis... Qu'est-ce qui se passe? Le véritable amour n'apparaît qu'une seule fois dans la vie. Mais comment sait-on si on l'a vraiment trouvé? White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs. L'unique réponse à cette question se trouve dans notre cœur. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems
slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. For angels to fly, to fly, to fly. Angels die. T'as décroché le permis, si t'es arrivé jusqu'ici. Ouais. Mais il me manque encore les dernières leçons particulières. À vrai dire, j'avais un bon prof, mais il m'a laissé tomber au tout dernier moment. Eh ben, Nikki. Non, ne dis rien. On va reprendre là où on s'était arrêté. Ça fait en tout 32 jours. 8 heures, 15 minutes et 23, 24 secondes. Que je suis ici à t'attendre. En fait, je voulais voir combien de temps tu pouvais résister. J'aurais pu encore attendre une minute ou deux. Alors, on en était où exactement? Au début. Alex. Tu vas me le promettre? Quoi? Ce à quoi je pense. Lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. Aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado. A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado. Si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener aquello que ya está contigo. Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo. Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido. Que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. A partir de ahora yo haré que tú te quedes aquí a mi lado. Y si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener aquello que ya está contigo. Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo. Y perdona si te llamo amor. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar, preguntaré en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos. Al marcharte lejos.
baño del hotel donde perdí la apuesta. La cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta.